Cité Verte, un quartier situé au cœur de la Casse dans la commune d'Abobo. Malgré ses belles bâtisses, la voie principale de cette cité est dans un état de dégradation très avancé. Ajoutez à cela la voie occupée par des mécaniciens, ce qui rend la circulation difficile, une situation qui inquiète les populations. Dès qu'il y a une pluie de 5 minutes, même à peine les voitures passent la boue sur les gens. Il y a un hôpital qui mène sur la route là. J'aimerais bien qu'ils pensent au moins aux malades. Il y a des coups ici, il n'y a pas pu perdu. Même quand il ne pleut pas, les gars font sortir l'eau de WC pour venir sur la route. Bon, en temps normal, avec la saison sèche comme ça, il ne doit pas avoir l'eau sur la route. Bon, oh là, s'il pleut en ce moment alors. Les mécaniciens aussi, vraiment, puisqu'ils n'ont pas de coin où il faut aller s'installer, c'est pour ça qu'ils ont occupé la route. Les mécaniciens, ils ont pris la route. Les gros camions, on ne sait pas où. Souvent même, il y a embouteillage. Le quartier est sale, c'est dangereux. Des mécaniciens montrant patte blanche, ils reconnaissent cependant que seule la réhabilitation de la voie pourrait être la solution définitive. C'est la route parce qu'il y a un hôpital derrière. Voilà, bon, beaucoup passent ici, même sur les bouchons de l'autoroute, mais beaucoup passent ici pour aller à Djamé. Nous, on travaille dans notre garage. Voilà. Bon, il y a les travaux, on ne peut pas prendre la route parce que la route n'est pas bitumée. Si c'est bien bitumé, peut-être on va laisser. La réhabilitation de la voie, une condition pour que la cité retrouve son éclat. En attendant, chacun s'arroge un pan d'espace, prolongeant un peu plus le désarroi des habitants d'Abobo Cité Verte.